pétard, mais que vois-je ? J'ouvre la porte. J'ouvre l'autre porte. T'es prêt ? Alors ça, c'est beau. C'est un truc de ouf, comment c'est beau. Regarde la montagne là-bas. Regarde, c'est magnifique, magique. On y croit, abs. Bon ben, le soleil nous a quittés, mais il est quand même venu aujourd'hui. J'y croyais pas avec la brume depuis hier soir là, et toute la journée. J'ai quand même eu un magnifique coucher de soleil, c'était cool. Et la ville qui s'allume au fond. Eh mais ce soir c'est un truc de ouf, à chaque fois que je regarde dehors, c'est toujours de plus en plus beau. J'en reviens pas. Ça grimpe, vas-y. Monte au sommet du Semnoz par grand vent. Et à 1700 mètres d'altitude, j'ai des difficultés respiratoires. Bon, ça je le savais un peu. Donc là, on a dû monter. Ouais, c'est ça, 100 mètres de plus. Ça y est, je suis à la hauteur d'Avoriaz, où j'avais déjà des difficultés respiratoires. Et en plus, ça grimpe. Méchant. Ouais. Yeah. Eh bien. Allez. Le Semnoz pour moi. C'est fait. Tiens. Ma petite pierre à l'édifice. T'es prêt? Regarde ça. Le sommet du Semnoz avec là-bas derrière moi le Mont Blanc. Ici. Vue imprenable. Avec là-bas au fond le lac du Bourget. Et là-bas en bas, on aperçoit Monsieur Gustave. Et puis là, je redescends le chemin de randonnée. Et j'aperçois déjà là-bas dans le trou le lac d'Annecy. Je vais vous montrer ça. Donc le Mont Blanc en face de moi, dans les nuages. Et dans le petit trou là-bas, c'est le lac d'Annecy. Et les copains, ce soir ça recommence. Encore un super coucher de soleil. Bon voilà, le Semnoz, bah, ça va être fini pour cette fois-ci. C'était bien sympa. J'étais venu pour une nuit, finalement j'en ai passé trois. Bah écoute, hein, quand on est bien, bah, faut rester. Hein. Bon voilà, une petite route qui me fait penser à celle d'Avoriaz. En même temps, c'est normal. Même altitude et même nombre de kilomètres. Pour grimper à 1,5 km, donc donc voilà, on a rendez-vous en bas. Bon bah voilà, j'ai descendu la montagne, j'ai été faire 2-3 petites courses pour Lily Joy. J'espérais trouver des légumes, mais je m'aperçois que c'est le jeudi de l'ascension, donc j'ai eu du bol déjà qu'il y a une boutique ouverte pour Lily Joy, sa boutique à elle en plus. Alors me revoici à côté du lac d'Annecy.
m'y attendais pas vraiment aujourd'hui. Hein. Bon, ça me fait bizarre de me dire que j'ai une de mes grand-tantes qui s'est noyée ici. En vélo, il y a, enfin, je vous parle de ça, c'est il y a très 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 longtemps. Et on n'a jamais su, c'était un suicide, un accident, un malaise. On ne sait pas. Je vous parle de ça, je crois que c'est avant la guerre. Ou juste après, je ne sais pas. Voilà, j'arrive sur le bout du lac, là. Alors vous ne le voyez pas bien, mais vous l'entendez. Et il va me tenir compagnie cette nuit. Ici. Pour une fois, je me suis réveillé pas trop au chaud, à l'ombre de ces grands arbres et au frais de ce petit torrent juste à côté de nous. Mais oui. Conciliateur, voilà. Donc c'était le métier de mon grand-père et de son père aussi, je crois. En tous les cas, c'est vraiment super méga beau ici. Hein. Oh, j'en ai encore. Rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien maintenant, que je retrouve comme ça de loin en loin.
rond-point de temps en temps. Et, quittez le rond-point à la quatrième sortie, vers l'avenue des chasseurs alpins. D'accord, madame. Et ce rendez-vous, il est important parce qu'on doit partir faire un petit road trip, mais je vous en dirai un petit peu plus tard. Et on a rendez-vous à Avignon chez justement cette petite jeune qui a ouvert son restaurant. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur la suite du parcours. Et ben voilà, je suis sur la route et j'aime ça. J'adore être sur la route. C'est dingue, hein. À un moment, je voulais faire routier comme métier. Mais j'aurais peut-être dû, hein. Parce que ça m'a toujours botté de découvrir des paysages de virage en virage. De découvrir des villes, de m'arrêter ici ou là. J'aime bien l'idée de naître de nulle part maintenant. J'ai des racines, évidemment, comme tout le monde, c'est obligatoire. Hein. Quittez le rond-point à la première sortie, vers la départementale 1090. Tu me coupes la parole tous les 5 minutes, là, ça va pas aller entre nous encore. Tu sais bien, Felicita. Bon, en fait, quand même, heureusement qu'elle est là, elle m'a dit que je dois aller, donc c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Chambéry, Grenoble, Turin? Ok, alors on va Chambéry, Grenoble, Turin. C'est par là. Et qu'est-ce que je vous disais? Vous avez suivi ou pas? Eh bien, je ne sais plus. Que j'adore rouler, que j'étais bien forcément de quelque part et que j'avais des racines, forcément, parce qu'on en a tous, c'est obligé. Mais j'aime bien l'idée de naître de nulle part maintenant. De me dire que chez moi, c'est partout. C'est partout, la planète m'appartient. Prenez la sortie 25 à droite en direction de la France, surtout, m'appartient pour le moment. Hein, parce que pour le moment, je suis resté en France. Je ne sais pas si j'irai à l'étranger ni où. Enfin, j'ai des petites idées, mais bon, ce pas des projets encore, c'est des idées. Donc, je vous en parlerai si jamais ça se fait. Donc, voilà, je suis de nulle part et ça me donne des ailes, une libération totale. Je suis entouré de montagnes, là, c'est super beau. Et bien, Gustave est de retour dans la Drôme, puisque c'est là qu'il a vécu toute sa vie de bibliobus à Valence. Et là, on est en direction de Valence. Et on vient juste d'entrer dans le département de la Drôme. Alors, Gustave, t'es content? Canal du Rhône. Bon, j'ai passé Valence, j'ai passé Montélimar. Je me dirige donc vers Avignon. Il fait chaud. Et il fait chaud. Donc Lily Joy, elle a son eau à demeure. Ben voilà. J'ai racheté des lunettes. J'étais en galère et j'étais très fatigué aujourd'hui de conduire sans lunettes et j'ai enfin trouvé un endroit où acheter une paire de lunettes correcte. Voilà, donc on va pouvoir repartir. Je sais pas encore où, je pense qu'on va chercher un endroit déjà maintenant pour se poser tranquille. Parce que j'ai un petit peu de boulot sur le petit pôle à bois que je vends. Vous ne voyez pas là, vous en pensez quoi de mes lunettes? J'ai un petit peu de boulot sur le poêle à bois que je vends lundi. Et donc, faut que je me pose dans un endroit tranquille, là, pour pouvoir le préparer proprement. Parce que là, il n'est pas très présentable, vu qu'il a pris un petit peu l'eau, il a des petites traces de rouille ici et là, mais c'est pas méchant. Hein. Mais au moins qu'il soit propre et présentable. Voilà, le petit Geoffroy s'en va. Il a trouvé une nouvelle famille d'adoption. Voilà, allez, lunettes de soleil, c'est parti mon kiki. Et voilà, Avignon. Bon, ben c'est plutôt joli, hein. Première fois je viens à Avignon, je crois. Mais c'est un truc de fou, hein. Ça fait tout le tour de la vieille ville, c'est incroyable. Et puis c'est pas petit, hein. C'est juste magnifique.
Mistral. Bah moi je connaissais pas. Mais c'est comme une tempête en Bretagne en fait. En permanence. Vraiment trop cool ce petit camping. Hein, tu peux te balader tranquillement, on est les seuls dans le camping. On est toutes seules dans le camping, c'est juste magique. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à frotter, tout doucement. Et voilà, petit Geoffroy est prêt à partir demain avec sa nouvelle propriétaire qui va venir le récupérer ici en Avignon. Yes! Et voilà, petit Geoffroy s'en va avec sa nouvelle maison et ses nouveaux chiens. Chauffe-toi bien! Ciao! Tiens, bonjour madame. On est dans un beau parc quand même, hein, dans ce camping. C'est bien agréable. Bon, évidemment, on est dans le sud, donc il y a des attaques de moustiques. Après une attaque de Mistral quand je suis arrivé, maintenant on a des attaques de moustiques. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Bienvenue dans le sud. Alors, je n'ai plus de voix. J'ai plus du tout de voix, hein, parce que je viens d'être malade. Et par conséquent, je vais plutôt siffler, en fait. Alors ici, on est en Avignon. Et Avignon, ça me fait forcément penser à la première vedette que j'ai été voir sur scène à l'Olympia quand j'étais petite. Ah bien, et Mathieu, bah hey, évidemment, elle nous chantait Mais ouais, mais celle-là, elle est facile. Et celle-là, est-ce que vous la connaissez? Je vous laisse deviner, hein. Là, je vous dis pas. Si vous avez trouvé le titre, vous me le mettez dans les commentaires. Elle est beaucoup moins connue que les autres,
mais j'avais envie de faire mon petit hommage à Mireille Mathieu dans ce décor de ouf à Avignon.